L'amour est dans le pré 2023. Christine a perdu dans une histoire d'amour, ses terribles confidences. MC diffusera dès lundi prochain les portraits des nouveaux agriculteurs de l'émission de dating agricole. Au casting, Christine, une éleveuse de chats et de chiens. Sur le compte Instagram de L'amour est dans le pré. Un extrait de son portrait vient d'être dévoilé. Christine évoque cette idylle qui a bouleversé sa vie. Le mois de janvier, c'est le moment de l'année où le corps d'un Français se compose à 87% de frangipane. Mais c'est aussi, traditionnellement, le moment où le coup d'envoi de l'amour est dans le pré est donné. Les fans peuvent donc être rassurés, dès le 30 janvier, les téléspectateurs pourront découvrir les premiers portraits des nouveaux candidats de la 18e promotion de l'émission animée par Karine Lemarchand. Cette année, ce sont 14 agriculteurs qui ont été sélectionnés et qui vont partir à la recherche de leur âme sœur. Charge à ces 11 hommes et à ces 3 femmes de se présenter sous leur meilleur jour pour attirer prétendants et prétendantes. Parmi les candidats qui pourraient bien émouvoir les téléspectateurs, la douce Perrine. Éleveuse d'escargots, atteinte par une grave pathologie, mais aussi le tendre Charles marqué par un terrible drame familial. Christine, la propriétaire d'un élevage de chiens et de chats en Nouvelle-Aquitaine, ne va sans doute pas laisser le public indifférent. Cette sexagénaire est en effet fascinée par les loups, sa décoration intérieure et son corps trahissent d'ailleurs cette passion un brin envahissante. Ce 24 janvier, le compte Instagram officiel de L'amour est dans le pré a dévoilé un extrait du portrait de la jolie blonde afin de permettre aux fans de faire connaissance avec la sexagénaire. Et Christine n'y évoque pas les loups mais l'histoire d'amour qui a bouleversé sa vie. Christine, mariée et mère de 3 enfants, a rencontré un homme avec lequel elle a vécu une dévorante passion. « J'ai dit à mon mari, je te quitte pour un autre. » Et d'évoquer les premiers temps de cette idylle, on s'entendait hyper bien. « Il était fou amoureux de moi, il me disait des mots d'amour, on se réveillait le matin dans les bras l'un de l'autre. » Virgule, c'était magnifique. C'était mon idéal amoureux. Mais au bout de 8 mois, la love story a brutalement pris fin. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, je n'ai rien vu arriver. Ça m'est tombé dessus. Ça a été terrible. J'avais tout quitté, j'avais plus rien, déclare-t-elle. Christine n'a aujourd'hui pas renoncé à ses rêves d'amour et place beaucoup d'espoir dans sa participation à l'émission. J'ai beaucoup d'amour à donner. Il me manque ça, se lever le matin, se lever dans les bras de quelqu'un qui te regarde, qui te dit mon amour. Bonjour ma chérie, bonjour mon cœur, ça me manque. Explique-t-elle. Trouver l'amour, c'est bien tout le mal qu'on lui souhaite.